reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bord. Je ne savais pas que aller à un concert pouvait aussi être très dangereux. Le 5 novembre dernier, il y a eu un concert aux États-Unis. C'était un festival de la musique organisé par ce célébriste appelé Travis Scott. Travis Scott, malheureusement, a vu son concert finir mal. Et ce jour, on nous a annoncé 8 personnes décédées et 300 blessés. Et on nous a expliqué clairement que il y avait plus de 50 000 personnes et toutes ces 50 000 personnes cherchaient à aller de l'avant, voir la star face to face. Il était coincé, il y avait des bousculades et résultat, la mort. Plusieurs morts. Aujourd'hui, je vous dis le nombre final, je l'espère. Pendant que nous essayons de consoler les familles, il y a beaucoup de personnes qui crient au satanisme. Pour certaines personnes, ça c'est un rituel. Ah, sérieux. En tout cas, venez d'abord, nous allons voir la liste définitive des personnes décédées. En tout cas, je prie que ce soit la liste vraiment définitive. Mais il y a beaucoup de personnes traumatisées. Venez me suivre. Venez, suivez-moi. Venez. Allons au studio. Venez, vous allez voir des choses. Âme sensible, veuillez vous en abstenir. Voici les dernières nouvelles venant de cette affaire de concert Travis Scott. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour voir ce qu'il va se passer ici? Alors là, regardez tout droit là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Regardez très bien. Si vous ne connaissez pas Travis Scott, sachez que Travis Scott, c'est ce monsieur que vous voyez là à l'écran. C'est une personne connue. Connue aussi pour avoir eu un enfant avec une fille de la famille Kardashian. Elle s'appelle Kylie Jenner. Une jolie petite femme. Bon, comme elle s'est maquillée beaucoup, moi je ne sais pas si elle doit dire jolie petite femme aussi. Hein. Parce qu'elle va maquiller là. Moi, je comprends plus rien. Mais regardez, ça, c'est pas une histoire rigolote. C'est un truc hors du commun. C'est pas rigolo. Il a 10 morts lors de ce concert. Vraiment, la liste est longue. La liste est vraiment longue. Mais vous allez voir tout de suite ce qui se passe autour de cette affaire. Comme vous pouvez le voir, parmi les morts, on compte ce petit. Je pense qu'il devait avoir 9 à 10 ans. Que si vous allez voir leur âge tout à l'heure, vous allez voir tout. Et c'était à cet événement de Travis Scott. Vous vous rendez compte que les gens voient une tête comme ça avec une bouche ouverte et les gens prennent le risque de passer au bon milieu. Seigneur Jésus, parfois même là, les choses qui nous montrent que le diable existe. Mais les gens font comme s'ils ne voient pas clair. Seigneur Jésus. Et le petit, il est parti. Là, c'était en plein concert. Vous voyez les fumigènes. En tout cas, c'était chaud. S'il n'y avait pas eu de mort à ce concert, on dirait que vraiment ce concert était un concert très très réussi. Franchement, avec les choses. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de symboles occultes. Des choses que je vous ai montrées dans les vidéos précédentes. Donc moi, je montre tout ce qui vient de diable. Moi, je ne dois pas applaudir ça aussi. Comme vous pouvez le voir, il y a eu des morts et voici ce qui se passe autour du lieu où ça a eu lieu. Les gens vont y déposer des fleurs et ils essaient de se consoler les uns les autres. Un gars tape sa cour et essaie de se consoler. Les gens viennent déposer des fleurs
soit pour dire waouh, les gens sont morts ici. Et avoir même une photo d'une de ces victimes là. Vous voyez ça? Vous voyez la photo d'une des victimes? Oh Seigneur mon Dieu. Et la plupart étaient jeunes. Le plus âgé a 27 ans. Comme vous pouvez le voir, voici la liste des gens qui avaient été annoncés morts au premier jour, quoi. Regardez. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais la liste s'est alourdie, je vous assure. La liste s'est alourdie. On n'a que 8 personnes ici. Ça allait de 14 à 27 ans. Mais ça a augmenté, je vous assure. Ça a carrément augmenté. Augmenté comme c'est pas possible. Vous risquez d'être choqué. Mais ça a augmenté. C'est pourquoi nous sommes là. Voici ce qui s'est passé au concert. Regardez comment c'était. C'était vraiment hors du commun. Il y avait le feu à gauche et à droite. On voyait un truc au milieu, grand comme ça, comme si c'était. Les gens disent que c'est comme si c'était l'enfer, quoi. Comme si c'est la porte de l'enfer, quoi. Et on fait le concert devant la porte de l'enfer pour laisser sortir qui? Le diable. Mais est-ce que vous voyez le diable ici? Est-ce que vous voyez le diable ici aussi? Parfois, hein. Il faut croire sans avoir vu. C'est quelqu'un qui sort de raconter tout le tour de ce que je viens de vous dire. Vous voyez ça? Et les gens sont traumatisés. Regardez la femme. La femme, elle a du mal à y croire, quoi. Elle a carrément du mal à y croire. Elle ne peut pas croire que une personne qu'elle connaît est décédée dans cet événement. Juste comme ça. La maman d'une de ses victimes elle disait. Ma fille est allée là-bas. Pour moi, c'était pour juste écouter de la musique. Mais elle est arrivée là-bas. Et elle y est restée. C'est vraiment triste. Ouais, comme c'est triste. Quel choc. Les gens te passent, te posent les bougies. Vraiment. Regardez la tristesse sur le visage. Est-ce que vous voyez la tristesse là? Sur le visage? Ouais, ils sont sans mots. On dit que c'est pour venir juste faire la fête. C'est le concert. Venez, on va s'amuser. On va bien chauffer. On va bien faire le show. Mais regardez comment un concert s'est terminé. De façon tragique, quoi. Dans celui-là, maintenant, un lieu de quoi là? Comment ça se dit? Pèlerinage. Les gens viennent vous dire, vraiment, les gars, vous avez laissé votre vie ici. Nous, on vous soutient. C'est pourquoi ils déposent les fleurs avec une tristesse absolue. Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Jusqu'à ce qu'on dit, les gens continuent à parler sur les réseaux sociaux, comme Travis Scott, c'est une personne vraiment très connue aussi. Les gens en parlent. Pas tous en parlent. Et ils se posent tous la question qui est, à qui la faute? Qu'est-ce qui n'a pas mal tourné? Qui doit payer le prix? Travis Scott a fait juste une petite sortie. Mais après ça c'est terminé. Certaines personnes révèlent qu'il serait enfermé dans sa maison et qu'il refuserait de sortir. Nanani, nanana. Bon. Nous sommes là, hein, vous regardez. Nous sommes là. Et on vous regarde. En tout cas, moi, ce que moi je peux vous dire, si ce gars-là,
est vraiment dans les histoires, dans les bails sataniques et tout ça. Ça veut dire que sans doute il savait ce qui allait se passer. Peut-être qu'il savait ce qui allait se passer, mais il savait pas qu'il y aurait autant de disparus. Là, si on nous dit que oh, il est à la maison tranquille, en train de pleurer, il a enfermé. Oui, il va vous dire, un frère sataniste, lui, il ne pleure pas. Hein. Dès qu'il y a des morts comme ça, lui, il est plus ton joueur, mais il a fait semblant de faire comme s'il pleure. Je pleure, j'ai mal au Jésus. Mais les gens sont partis. Ça, c'est dans le cas où ce monsieur jeune, tant qu'on serait dans les bains noirs. Ça, c'est le cas où, hein. Je ne dis pas qu'il est complètement détendu, mais il y a quand même des signes aussi qui ne trompent pas. Mais je peux pas vous dire qu'il est de la sauce. Vous-même, vous voyez la sauce en train de bouillir. Vous voulez qu'il vous dise que la sauce bouille. Comment vous voulez qu'il vous explique ça? Mais c'est terrible, hein. C'est terrible. Tout avait commencé ici. Où est ça? Vraiment. Quand je regarde ce qui s'est passé à ce gars, je me dis vraiment. Nous tous sommes devenus, nous tous sommes réussis, on est devenus des gens célèbres, des gens connus, mais quand c'est djinzin, c'est djinzin. Ceux qui t'acclament là. Surtout quand t'es chuté après. Ah les amis, comment vous pouvez faire ça? Ah les amis, comment vous pouvez faire ça? Moi qui suis votre frère. Moi qui suis votre frère, comment pouvez-vous me faire ça? Comment? Les mêmes gars qui l'ont applaudi hier, ce sont les mêmes gars qui sont en train de les suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand je regarde ça, je me dis waouh, ça crée, hein? Et les gens vont rechercher des vieilles histoires de gars pour venir l'exposer comme il se doit sur les réseaux sociaux. Seigneur, waouh, c'est là que j'ai vu, j'ai dit vraiment l'homme. L'homme, hein? L'homme. Regardez. La liste définitive des gens disparus lors de ce. En fait, la liste disparue des gens morts lors de. Lors du concert de Travis Scott est maintenant connue. Voici la liste. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 personnes. Ça, c'est la liste définitive actuellement. C'est ce que je vais ensuite vous montrer. Eh, Seigneur! Dans cette liste, on a le regret de vous informer qu'il y a un enfant de 9 ans. C'est ce petit. Un enfant de 9 ans. Son père était à cet événement aussi, c'est pourquoi votre enfant y était. Pour eux, c'était juste un spectacle, comme d'habitude, mais regardez ce qui s'est passé. La liste est maintenant connue. Et moi, je vous montre tout ça. Je vous donne les dernières informations sur ça. Hein. C'est nous, toi, oui, toujours passé à 10. Les gens traumatisés, on n'en compte pas. Mais les gens ne font que parler. Hein. Les gens ne font qu'en parler. Les gens ne veulent même pas s'arrêter du tout. Ils sont chauds sur l'affaire. Mais c'est normal aussi, hein. Quand même. 8 personnes, ça signifie 8 familles. Donc derrière chaque personne ici se trouve 2 personnes touchées, affligées. Et vraiment, ce sont des générations qui sont là. Des gens sont morts quand même. 8 personnes, vraiment, c'est trop. C'est vraiment trop quand même. C'est tellement trop, hein. Au point où les gens pensent que c'était un crime rituel, un sacrifice rituel. Genre, c'était un rituel, c'était un sacrifice au démon, quoi. Moi, je ne sais pas vraiment si c'était un sacrifice au démon, hein. Mais il y avait quand même des signes qui ne tombaient pas. Mais comme toujours, aussi, ça arrive. Et puis, il n'y a pas grand-chose. Donc, on s'est dit, waouh, cette fois, vraiment, ça a mal tourné. C'est pourquoi, moi, je veux vous dire, hein, que. Vraiment, faites vraiment très attention souvent. Souvent, quand vous apprenez que dans tel ou tel concert, il y a eu des gens qui sont tombés en transe et il y a même eu un ou deux morts, trois morts, vraiment. Méfiez-vous. Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, dans l'industrie de la musique, il y a des adorateurs du diable pur.
C'est-à-dire qu'ils sont adorateurs du diable. Ils le savent bien et ils sont là. Et sacrifier les fans, ça, c'est des ennemis. Je ne dis pas que Travis Scott l'a fait, hein, mais je dis que ça existe. L'industrie de la musique, ça existe. On n'en parle pas souvent parce que souvent, ces gens-là cachent ça. Ces gens cachent ça. Quand ça arrive, les gens cachent un peu, ils font des trucs. Mais si les gens ont parlé comme ça, c'est que vraiment, ce sacrifice, ça n'a pas bien tourné, ça n'a pas marché. Mais c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En tout cas, moi, ce que j'en pense, c'est que là, c'est trop. 10 personnes mortes, c'est trop. C'est vraiment trop. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dès qu'il y a du nouveau, je ferai une autre vidéo sur le sujet, que vous en parlez. Et s'il y a d'autres choses à faire sur d'autres sujets, bien évidemment, je vais faire des vidéos chap chap. Hein. Et puis, on continue l'histoire. Ça ne fait que commencer. C'est sûr. Je n'en suis pas. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pour la prochaine vidéo. En attendant, regardez les deux vidéos qui vont s'afficher sur l'écran ici. Non, c'est une vidéo. Et bon, regardez la vidéo qui va s'afficher sur l'écran ici. Ceux qui n'ont pas regardé comment ça a commencé et tout ça. La vidéo que vous allez voir sur l'écran va vous expliquer très bien ce qui a commencé au départ. En tout cas, ce que j'ai vécu, hein, mon expérience directe. Allez regarder maintenant. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanse Bon 3. Avec la chaîne Bon, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyanse Bon 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.